Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online et là vous êtes en train de vous poser la question: mais pourquoi Virtue fait encore une couleur classe alors qu'il l'a sortie hier? Tout simplement parce que là il n'y aura qu'une seule couleur qui a été trouvée par Venture, je le remercie d'ailleurs. Elle est vraiment magnifique et comme pour cette couleur il faut tout simplement réaliser un petit glitch. Donc du coup je préfère la faire hors série, parce que les vidéos que je fais, les couleurs que je fais dans ma série, j'évite à tout prix de faire des glitches, donc histoire que ce soit 100% une astuce. Là ce sera quand même une astuce, mais la couleur est vraiment magnifique, c'est pour ça que je souhaitais vraiment vous la faire en vidéo. Donc la couleur est celle de Venture que vous pouvez voir actuellement sur l'écran. Donc là on voit pas très bien, mais vous allez voir que dans le Los Santos Custom on va voir beaucoup mieux. Donc en attendant, moi je vais vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel et mon Twitter. Donc tous les liens se trouveront dans la description. Et pourquoi pas aussi rejoindre la chaîne 100% course qui se trouvera dans la description et en annotation. Donc comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran, la couleur est juste sublime. Donc on voit qu'il y a du bleu, du rose, du rouge, il y a vraiment un peu de tout, c'est juste magnifique. Donc on va tout simplement mettre du noir un peu partout afin que la voiture soit noir, comme ça on aura pas besoin, on pourra faire la couleur tranquillou comme d'habitude. Donc voilà, la couleur est pas très belle. Donc pour réaliser cette astuce, vous allez tout simplement vous rendre dans les métallisés et aller chercher la couleur bleu foncé qui se trouve juste ici. Une fois que vous avez acheté cette couleur bleu foncé, vous allez tout simplement vous rendre dans métallisé et ne sélectionner aucune couleur. Une fois que cela est fait, vous allez appuyer sur B, B, B et vous allez vous rendre dans les roues. Vous allez aller dans accessoires de roues, vous allez simplement mettre les pneus custom ou les pneus de série, soit l'un soit l'autre en fonction de votre voiture. Vous allez vous rendre encore une nouvelle fois dans peinture et vous allez simplement aller dans couleur principale, nacré, et vous allez pouvoir mettre du nacré sur votre voiture. À ce moment-là, vous allez pouvoir mettre du nacré sur du mat. Personnellement, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez, mais pour réaliser la voiture et la couleur que j'ai, moi, je vais tout simplement utiliser du rose vif. Donc on voit déjà que l'effet est magnifique avec le rose et le bleu. Et après en couleur secondaire, vous allez tout simplement vous rendre dans métallisé et acheter du bleu ultra afin de faire ressortir un peu le rose et le bleu. Après vous pouvez très bien mettre autre chose si jamais vous voulez. Après moi je vous donne que des idées, si vous voulez les modifier il n'y a aucun souci. Et pour la catégorie, pour la couleur des roues, vous allez vous rendre dans les roues et vous allez tout simplement mettre des jantes bleu fluo, donc bleu fluo, voilà. Et après vous avez votre magnifique couleur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette couleur vous aura plu. Elle ne comptera pas pour l'épisode 20 bonus, hein. C'est vraiment une couleur bonus que je vous offre aujourd'hui parce que voilà, je suis content, je suis heureux, donc je vous offre une petite couleur bonus. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Lâchez un petit like et pourquoi pas un petit commentaire et pourquoi pas la partager sur Facebook et Twitter, ça me ferait énormément plaisir. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.